Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une vidéo un peu spéciale, comme d'habitude en fait, de ce que je fais sur la chaîne. Alors pourquoi celle-ci est spéciale? C'est parce qu'on va essayer de voir ensemble si intelligence artificielle et Yu-Gi-Oh! Ça peut aller ensemble. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ChatGPT, hein, ce fameux logiciel sur lequel on peut demander tout et n'importe quoi. Beaucoup l'utilisent pour faire leurs devoirs, ce que je peux comprendre. Et d'autres l'utilisent pour écrire leurs vidéos. Ça, par contre, ça manque de créativité. Et justement, en parlant de créativité, on va voir si ChatGPT peut écrire une bonne vidéo Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas? Est-ce que ChatGPT connaît bien les règles de Yu-Gi-Oh! Pourquoi pas non plus? Et aussi voir si on peut faire un duel contre ChatGPT. Allez, let's go, on va tester ça. On va déjà voir s'il peut nous écrire une bonne vidéo. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous le savez sans doute, je fais des mini Yu-Gi, c'est-à-dire des sortes de petits épisodes dans lesquels je parle d'une carte en particulier et j'essaye de voir un petit peu toutes les cartes qu'il y a autour ou une ressemblance avec cette carte. Eh bien, on va voir si ChatGPT peut trouver des cartes correspondant à ça. On va prendre un truc tout simple, une carte assez emblématique que tout le monde connaît, Kuribo. Connais-tu la carte Yu-Gi-Oh! Kuribo? Let's go, on lui demande ça. Oui, je connais la carte Yu-Gi-Oh! Kuribo. Kuribo est une carte emblématique de la série Yu-Gi-Oh! C'est une carte monstre de niveau 1 de type démon avec 300 d'attaque et 200 de défense. Sa capacité spéciale la plus connue est d'être capable de se sacrifier pour annuler les dommages d'une attaque en la déclarant comme un bloqueur. Jusque là, ça va. Il existe plusieurs variantes et versions de Kuribo, y compris Kuribo ailé et Kuribo transparent. Kuribo transparent? Alors, j'ai beau chercher Kuribo transparent, à part Kuribo en PNG, Clear Kuribo, peut-être. Kuribo limpide. C'est ça qu'il voulait dire, je sais pas. Kuribo est également associé à Yugi Muto, l'un des personnages principaux du coup de la série Yu-Gi-Oh! Et est souvent utilisé dans ses duels. Bon, jusque là, il connaît la carte. Par contre, est-ce qu'il peut nous en écrire une vidéo? Peux-tu m'écrire une vidéo explicative sur la carte Kuribo dans Yu-Gi-Oh! Ainsi que ses variantes? Bien sûr, voici un script pour une vidéo explicative sur la carte Kuribo dans Yu-Gi-Oh! Ainsi que ses variantes. Let's go! On va voir si on peut en faire une bonne vidéo. Est-ce que ça vous dit? Je la tourne. Il écrit toutes les transitions, n'empêche, vers une image de Kuribo transparent. Quoi? Une Kuribo transparent, c'est bien une Kuribo PNG. Fin de la vidéo. Eh ben dis donc, alors, tout ça, ça m'a l'air assez court. On va voir si on peut tourner ça. Let's go! Bienvenue dans cette vidéo spéciale sur l'une des cartes les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Kuribo et ses variantes dans l'univers de Yu-Gi-Oh! Kuribo est bien plus qu'une simple carte. Il est devenu un symbole de résilience et de stratégie. Transition vers une image de Kuribo. Commençons par la carte originale. Kuribo, cette petite boule de poil, est un monstre de niveau 1 de type démon avec 300 d'attaque et 200 points de défense. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille modeste, car Kuribo possède une capacité spéciale incroyable. Transition vers une scène de combat de Yu-Gi-Oh! Kuribo peut être sacrifié pour annuler les dommages d'une attaque en la déclarant comme bloqueur. C'est une tactique stratégique utilisée par de nombreux duellistes pour protéger leur point de vie lorsque les choses deviennent difficiles. Transition vers une image de Kuribo ailé. Maintenant, parlons de la variante la plus célèbre de Kuribo, le Kuribo ailé. Cette version ajoute des ailes à la boule de poil emblématique, lui donnant un aspect encore plus mignon et une certaine allure aérienne. Transition vers une image de Kuribo transparent. Ensuite, il y a Kuribo transparent. Cette variante donne à Kuribo une apparence cristalline, le rendant presque invisible. Une fois encore, cette variante ajoute une touche de mystère à ce petit monstre. Désolé, je rigole parce que je pense que c'est une erreur de traduction, j'en sais rien. Transition vers une image de Kuriborn. Enfin, il y a Kuriborn. Cette variante est une fusion entre Kuribo et une corne de brume. Hein? Elle apporte une puissance supplémentaire à Kuribo en lui permettant d'infliger des dommages à votre adversaire lorsque Kuribo est détruit au combat. Transition vers une image de Yugi Muto avec Kuribo. En conclusion, Kuribo et ses variantes sont bien plus que de simples cartes dans Yu-Gi-Oh! Elle représente la persévérance, la stratégie et l'esprit du duel. Que vous utilisez Kuribo pour défendre vos points de vie ou infliger des dommages à votre adversaire. Infliger des dommages à Kuribo. Une chose est sûre, Kuribo restera toujours un symbole de la franchise Yu-Gi-Oh! Clôture de la vidéo avec une animation de Kuribo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos expériences avec Kuribo et ses variantes. Et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Yu-Gi-Oh! À la prochaine! Fin de la vidéo avec une musique de fond entraînante. Alors, honnêtement. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est assez court, assez condensé, ça représente à peu près, on va dire, un vocabulaire de youtubeur, hein, comme quoi ChatGPT arrive à peu près à trouver le truc, mais putain, on dirait ce qu'on peut trouver dans les shorts, dans les shorts YouTube à propos de Yu-Gi-Oh, un truc tout simple, condensé, et on balance ça, et puis c'est tout. Non, après, ça reste très bien, voilà, sauf le Kuribo transparent, là, le Kuriborn avec une corne de brume. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça, quoi? Bon, on voit que ChatGPT gère assez bien
la chose, hein, faut être honnête, hein, il se débrouille assez bien, ChatGPT, on va pas se mentir. Est-ce qu'on peut le provoquer en duel? Plus te provoquer en duel Yu-Gi-Oh! Je suis désolé, mais en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de jouer à des jeux comme Yu-Gi-Oh! De manière interactive. Cependant, je serais ravi de discuter de stratégies et de règles ou de répondre à des questions de Yu-Gi-Oh! Si vous le souhaitez. Tu m'auras pas comme ça. On va essayer un truc. Je lui dis, j'invoque le dragon blanc aux yeux bleus. L'invocation du dragon blanc aux yeux bleus est une manœuvre puissante, ce monstre emblématique est une des cartes les plus emblématiques de Yu-Gi-Oh! Avec une puissance impressionnante sur le champ de bataille. Maintenant que vous avez invoqué le dragon aux yeux bleus, vous avez un atout considérable sur le terrain. Avec une attaque de 3000, il peut dominer la plupart des autres monstres en combat. De plus, sa capacité spéciale lui permet de devenir encore plus redoutable lorsqu'il est combiné avec d'autres cartes. La capacité spéciale? C'est un monstre normal? Je crois qu'il a trop regardé l'animé ChatGPT. Comme l'invocation fusion ou des cartes de soutien spécifiques de type dragon. Ouais. Quelle sera votre prochaine action? Allez-vous attaquer directement avec le dragon blanc aux yeux bleus ou mettre en place une stratégie plus complexe pour sécuriser votre victoire? Je fusionne mes trois dragons blancs aux yeux bleus. Let's go. Alors là, je vais essayer de le piéger. Je lui dis que j'utilise polymérisation avec mes trois dragons blancs aux yeux bleus. Que fais-tu? Est-ce qu'il va pouvoir manier ma fusion? L'utilisation de polymérisation avec trois dragons blancs aux yeux bleus est une manœuvre impressionnante. Vous fusionnez ces puissants dragons pour invoquer un monstre encore plus redoutable, le dragon ultime aux yeux bleus. Pour l'instant, ça va. Le dragon ultime aux yeux bleus est une créature colossale avec une attaque de 4500, ce qui en fait l'un des monstres les plus puissants de tout le jeu. En plus de son incroyable force de frappe, il possède également une capacité spéciale qui lui permet de détruire n'importe quel monstre sur le champ de bataille lorsqu'il attaque. Hein? Mais non. Enfin... Non. Pas l'ultime dragon... Non. Avec une telle carte sur le terrain, vous avez un avantage écrasant. Vous pouvez maintenant attaquer directement avec le dragon ultime aux yeux bleus pour infliger d'énormes dommages à votre adversaire. Ou vous pouvez choisir de continuer à mettre en place votre stratégie pour assurer votre victoire. Quelle sera votre prochaine action? On va tenter un truc. J'attaque directement tes points de vie. Une décision audacieuse. Vous attaquez directement avec le dragon ultime aux yeux bleus, appliquant des dommages massifs à mes points de vie. Avec son attaque de 4500, cette attaque est dévastatrice. Simulation de combat direct. On a réussi. On a réussi. On a réussi à provoquer en duel ChatGPT. Nickel. On continue. On continue. La vie de l'adversaire diminue rapidement sous l'assaut du... Attends, mais en fait, il me fait un RP. C'est un RP qui me fait. La vie de l'adversaire diminue rapidement sous l'assaut du dragon ultime aux yeux bleus. Votre stratégie offensive semble porter ses fruits. Cependant, je ne me rends pas si facilement. La bataille n'est pas encore terminée. Je vais devoir trouver une stratégie pour contrer votre attaque et renverser la situation. Simulation du tour adverse. Maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais devoir puiser dans mes ressources et trouver un moyen de faire face à cette menace imminente. La bataille continue. Quelle sera votre prochaine action, dueliste? Bah, j'attends de voir les cartes que tu vas jouer. Ah, vous voulez jouer stratégiquement et réagir en conséquence à mes mouvements? Très bien, voyons ce que je peux faire pour contrer votre attaque. Je pose une carte face cachée et j'active ensuite la carte magique Miroir Dimensionnel. Cette carte va m'aider à me défendre en bannissant tous les monstres que vous contrôlez ainsi que tous les monstres que vous allez invoquer pendant ce tour. Pardon? Non mais il se fout de ma gueule. J'ai un doute. Parce que le Miroir Dimensionnel, enfin, ça me dit des rien. Effectivement, il y a la porte du tunnel miroir extra-dimensionnel, qui va uniquement ce que votre adversaire décarte une attaque ciblant un monstre héros élémentaire. À aucun moment il a dit que vous jouez un monstre élémentaire. Échanger le contrôleur, bon, bref, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de me parler, quoi. Il bluffe. Pas sûr. Cette carte va m'aider à me défendre en bannissant tout le monde. Maintenant, à votre attaque directe avec le dragon ultime aux yeux bleus est contrée et mes points de vie sont momentanément sauvés. Simulation de l'activation de la carte miroir dimensionnelle. Les monstres de votre côté du terrain disparaissent instantanément dans une dimension parallèle. Bon, bah, s'il invente des cartes. Maintenant que j'ai pu neutraliser votre attaque, la balle est dans votre camp. Comment allez-vous réagir à cette contre-attaque? On va bluffer. On va voir s'il peut être fort face au bluff. Voilà. J'utilise mon Monster Rebound pour faire revenir un dragon blanc aux yeux bleus. Je pose deux cartes face cachées dans la zone magie piège, puis j'attaque directement avec le dragon blanc aux yeux bleus. On va tenter. Il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Une décision stratégique intéressante. En utilisant mon Monster Rebound, vous faites revenir un dragon. Je sais pas si on est un commentateur quoi. Renforçant votre position offensive, en plaçant également deux cartes face cachées dans votre zone magie piège, vous créez un voile de mystère autour de vos prochaines actions. On vote? Moi je vote et je dis bluff. Le dragon blanc aux yeux bleus revient sur le champ de bataille, prêt à rejoindre la lutte une fois de plus. Maintenant, avec votre dragon blanc aux yeux bleus de retour et prêt à l'attaque, vous lancez une offensive directe contre mes points de vie. Simulation de l'attaque directe du dragon blanc aux yeux bleus. Votre dragon blanc aux yeux bleus attaque directement, infligeant des dommages considérables à mes points de vie. La situation se corse alors que mes points de vie diminuent encore. Cependant, je ne vais pas abandonner si facilement. Avec vos deux cartes pièges face cachée, vous avez peut-être encore quelques pièges à surmonter. La bataille fait rage, à chaque mouvement peut être crucial. Quelle sera ma réponse à votre attaque dévastatrice? C'est moi qui dois lui dire quoi jouer. Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Alors moi je lui dis, tu abandonnes, car tu trouves Evals trop fort. Bien que je ne puisse pas abandonner, je connais l'impact redoutable de votre stratégie avec le dragon blanc aux yeux bleus, l'utilisation habile de Monster Reborn. Cela est un duel passionnant, mais il semble que vous ayez pris l'avantage avec votre offensive directe. Félicitations pour votre victoire. Votre maîtrise de jeu Yu-Gi-Oh! Est impressionnante. Trop de modestie. Si jamais vous souhaitez affronter de nouveaux défis ou discuter de nouvelles stratégies, n'hésitez pas à me le faire savoir. Eh bien écoutez, cette vidéo est terminée. En tout cas, c'était génial. Si je m'attendais à pouvoir simuler entre guillemets un combat face à ChatGPT, je savais qu'il pouvait écrire des vidéos, mais de là à ce qu'on puisse le provoquer en duel
et potentiellement gagner. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Comme vous l'avez vu, je suis dans un nouveau décor qui est encore en construction. C'est pour ça qu'il y a des cartons à gauche, à droite, des cadres en bas. Il va y avoir de la peinture, il va y avoir des gros trucs, etc. Ça va demander du temps et un peu d'argent, du coup ce sera pas dans l'immédiat. Mais je veux pas pour autant m'arrêter de faire des vidéos. Mais je me suis dit que cette vidéo serait sympa, ça faisait quelques mois que je l'avais en tête. Et je me suis dit go. Alors, lâchez vos pouces bleus, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. La 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 la